Eh ben dis donc, ça en fait de l'ambiance. Bonjour à tous, c'est Parcours 2020. On se retrouve pour WWE Attitude Era. L'épisode 24. On continue, on avance. On avance, c'est très long, mais on avance quand même. On en a pour je réfléchis. 16 matchs encore, je crois, à faire. Alors, oula, il y a beaucoup de choses à faire là. Le plan de McMahon avait fonctionné à la perfection. Non seulement il avait remporté le Royal Rumble en éliminant Stone Cold, mais il avait actueusement renoncé à son droit de reconquérir pour le titre de son choix à WrestleMania, pour assurer qu'Austin serait mis hors course. Pourtant, ce que McMahon n'avait pas anticipé, c'était la décision du commissaire Michael de compléter le main event libre de WrestleMania avec la finaliste du Royal Rumble, Stone Cold Steve Austin. Cela enrage McMahon, mais aussi proposait de mettre en jeu son droit de concourir pour le titre de son choix si McMahon l'affronte dans un match triquet. Alors, objectif caché, encore des objectifs cachés, emporte le match, objectif caché, voilà, c'est un match caché, voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Empêche. Ah merde! Officials calling for help. Come on, guys. We need some paramedics.
On va le finir. Alors, grimpe en haut de la cage et s'en échappe pour remporter la victoire. Pas de problème. Et d'abord, comme dit Stone Cold, on va le finir. Parce que sinon, apparemment. Exécution. Yeah. Tiens. Souffrir. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. Oh, c'est beau ça. Oh yeah. Yeah. He's having a seriously hard time getting back to his feet after that. Allez, relève-toi. Mr. McMahon on the receiving end of an old-fashioned beatdown. Fashion victime, oh là là, qu'est-ce qu'on peut pas entendre? Oh mince, enfoiré. Ah, pourquoi je peux pas le faire hein? C'est pas grave, je vais faire autrement. Oh yeah. Tiens. Comment? Oh, his body, and he's trying, he's going for a quick escape. There he goes, right up the cage. He's booking it. They made it to the top. Hein? Comment? Attendez, je suis bloqué là. Ah mais non! Oh, c'est quoi ce bordel? Ah non, là je suis pas d'accord, là, je suis pas d'accord. Non, 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 là franchement là. Là je suis pas d'accord avec vous là, messieurs de chez THQ. Pas d'accord avec vous, monsieur THQ. Pas du tout. Ouais, je suis dangereux, qu'est-ce qu'il y a? Pas me faire chier, moi. Pas me faire chier, faut pas me faire chier. Exécuteur, un Stone Stone. Installer. Ah ouais, d'accord.
La lutte. Et j'aurais dû garder mon style en fait. Ah ouais. Je suis bête. Je suis bête. Je suis très bête. Fin de compte, celui qui a gagné. Alors, McMahon et Aren, ok. Bon, on est reparti. Hein. Ouais, rendez-vous sur le ring. Alors, suite aux événements de Saint-Valentine Day Massacre, c'est ça, ouais. Le match WWE Champion devait composer Stone Cold Steve Austin et Mankind. Avant de pouvoir en profiter, Monsieur McMahon et The Rock avaient convaincu McMahon de participer à la dernière match, un match rendu célèbre par par le commissaire de la WWE, Shawn Michaels, remporte la victoire, fait passer Mankind à travers la table des commentateurs. Waouh.
On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah, faites passer Mackay à travers la table des commentateurs. Ah ouais. On est parti. Tiens, putain. Ça c'est beau, ça c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah non. Ah, je vais faire un truc pas mal, mais j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ah, je commence à tomber dans mes mauvais travers, c'est pas bon. D'accord, j'ai raté ce que je fais, c'est pas bon. Ah, bon. Ah, je savais pas qu'on pouvait tourner. Ah, d'accord. Eh bien. Oh mince, je me suis pris moi aussi. Ah, ah le con. Ah le con. C'est un match à échelle ou quoi? Ah ouais, faut décrocher la ceinture, oh là là. J'aime pas ce genre de match. Par contre, on peut pas tourner la caméra, hein. C'est dommage. Elle va monter, enfoiré. Enfoiré. Tu ne montras point. Ah mais. Ah là là là, j'appuie sur un bouton pourtant. Non, l'autre côté. Ah, c'est pas possible. Dès qu'il y a quelque chose à faire, j'arrive pas à le faire, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, encore, j'arrive pas à le faire. Pourtant, c'est pas compliqué. Mais bon, moi, j'arrive pas. Je sais pas, je. Mais oui, voilà. Bon. Ah, mais j'appuie sur le bouton, mais c'est pas possible, ça. Voilà, c'est ce que je voulais faire plus tard. Alors. Allez, monte. Mais non, mais. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est bon. Je vais monter moi-même. Parce que sinon, on est encore là demain. Allez, viens. J'ai décroché la ceinture? Non. Ah non, non, je suis tombé. Pff, quel con.
Je suis vraiment con, hein. Ouais, j'avais la ceinture. Et j'ai appuyé, mais j'ai appuyé avant! Oh là, c'est mal fait leur contre. Non, j'ai dit que je m'énerverais pas. Pas m'énerver. Dès que je m'énerverais pas, je m'énerverais pas. Allez, dégage. Voilà, moi c'est à moi maintenant, la ceinture. Non? Ah, d'accord. Et comment on descend là? Ah, d'accord. Ouh, ça c'était du joli ça. Mais non! Putain, c'est pas possible. Oh là là là, je refais les mêmes bêtises. Ouais, c'est bon. Elle va décrocher la ceinture. Comment c'est mal fait, hein. Excusez-moi, mais je sais pas. Peut-être avec l'âge. Mais peut-être que c'est l'âge qui fait que voilà. Mais... Voilà. D'accord. Bon, ben, on reporte le champion, la ceinture de champion de The Rock. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a vraiment des magouilles, hein. Des petites magouilles. Bon, bah, écoutez, c'est sur ces petites magouilles que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Eh ben écoutez, je vous laisse, allez, amusez-vous bien. Allez, à la prochaine. Salut.